Salut les amis. Allez, aujourd'hui nous sommes à Mérindol. Nous allons aller jusqu'à Menerve aussi. Nous sommes partis pour 2 jours, 2 x 15 km. Préparation pour le GR avec pas mal d'ascensions. Et petit test de matériel aussi. Allez, à plus tard les amis. On attaque la montée. Qu'est-ce qui nous attend? Je sais pas si vous voyez. On va tester ça. Power valve, power gel. Alors on avait trouvé un galet Yama Pilate. C'est trouvez mon galet. Et là on va le poser sur un carne. Je crois qu'on l'avait trouvé à rando de Oped qu'on avait fait. Sûrement. Voilà, donc on le fait voyager. On le fait voyager, et si vous le trouvez à votre tour, bah, faites-le voyager. Là, je montre. Là. Petit dessin. Ah, on va poser sur un carne. Et voilà. Allez, à vous de le faire voyager. Pas mal la vue là. Et là-bas, c'est les Alpilles. C'est un bon entraînement. Est-ce que je suis à deux doigts de mourir? Ouais, c'est bon. Est-ce que je suis pas bien du tout aussi? Thank you.
Bon, on va ranger les bâtons. Aussi. Parce que là, et voilà, un petit mur qui nous attend. Allez, c'est parti! On est là. Eh oui, Menherbe, on arrive. Petite pause casse-croûte du midi. On a l'air les pieds, bien sûr. Petit café. Bon, avec ma jolie petite tasse, c'est parti. Allez, après la petite pause casse-croûte, on est reparti pour 8 km. On va voir si on fait plus ou pas, comment on se sent. Allez, à plus tard. On est déjà passé par ici avec Luc et Manon. On avait fait la vidéo sur Opède le Vieux jusqu'à Maubec. On vous met le lien en haut, juste là. Menherbe. Jolie cœur au milieu de nulle part. Il est 16h30, on est arrivé à l'endroit où on doit bivouaquer, on se tâte. On va continuer un petit peu, on va avancer sur la journée de demain je pense. On a encore un peu de la patate dans les jambes. Il y a une grosse descente là et après c'est du replat, on va voir si on va trouver un endroit pour bivouaquer. Non ? Comme ça demain on aura moins à faire, comme ça on va voir jusqu'où on peut aller un peu. On a fait 15 km déjà. 15 km, 1000 de dénivelé positif.
Voilà. Allez, à plus tard. Petite aventure. Je pense que... Ça va, m'amour? C'est sympa, merci d'être venu. Je vais mourir. Je peux pas faire ça, moi, c'est pas possible. Bravo! Franchement, impressionnant! Bon, allez, on est arrivé à notre endroit de bivouac. On a dû tirer encore 3 km, je pense. Voilà, donc, passage avec les chaînes, il était costaud. Merdique. Allez, on va monter le bivouac et peut-être. Peut-être qu'on va se faire un petit feu. On va voir. Allez, à plus tard. Bien installé au campement. Allez. Il est 8h moins le quart, jour 2. On se fait un petit jet boil. Petit muesli ce matin. Le jet boil, c'est le top. Ça chauffe en 2 minutes. On a rangé le campement. Voilà, tout est prêt. Et hier, on a poussé. Donc aujourd'hui, je crois qu'il nous reste plus que 10 km. On a fait 1000 d'ascension et 1000 de descension hier. Parce qu'on se sentait. Voilà. À plus tard. Allez, c'est reparti, on a tout rangé, on a bien mangé. Il fait pas très beau ce matin. Non, et, hier, et hier, les chaînes, c'était là-haut. Tu t'en rappelles des chaînes? Non. Non? La mémoire. Allez, à plus tard.
Et voilà les amis, ça y est, on arrive au parking. Bon, hier nous avons fait 20 km, aujourd'hui 11, 10 ou 11. On aura fait en tout 1400 d'ascension, 1400 de descension. Très bon entraînement pour le GR, franchement. Très bien, de gros dénivelés. Voilà, donc c'était super cool. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, likez la vidéo. Et vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram, Les Petits Promeneurs. À bientôt les amis.